Donc, suite à la requête du président de Mauritius Maritime and Delivery Federation, qu'il s'est fait de la Task Force qui présidait par le Premier ministre, il a souhaité que le gouvernement et la fédération, surtout en ce qui concerne ben, le protocole sanitaire qui est en place. Alors, tout de suite, le Premier ministre fin d'accord, il fin genou d'un coup de main, maximum de capable à la fédération. Et là, nous peut servir plateforme Mon Rendez-vous, que nous peut mettre à la disposition de la fédération et son membre, et que nous fin adapter l'application là pour que la fédération capable fait tout ce rendez-vous servir pour la prière de Ganesh Chaturthi. Et là, il y a 53 mandirs à travers le pays qui pour et dans la prière, qui peut dans différents jours pour dans la prière et ban dévot, ban du monde qui peut faire la prière, je pour servir l'application Mon Rendez-vous, pour je prends rendez-vous, je book, je l'air et je date pour qu'ils soient capables à faire ban la prière dans une limite de 50 personnes. Il y a une application très facile, très simple et que les user friendly. Donc, toute personne capable d'aller, je check un coup qui est bon jour, qui est bon mandir, qui est bon l'air disponible, et je capable book cette place pour je faire la prière. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que nous pouvons aider la fédération peut aider le gouvernement, nous travaillons ensemble pour que nous ayons un maximum de 50 personnes dans un lieu à un moment, et ça, définitivement, nous pouvons aider pour qu'ils nous contrôlent dans le protocole sanitaire et qui nous peinons la foule, nous peinons une situation que nous avons beaucoup de monde pendant ces places et il est capable de créer une situation où nous peinons contrôle. Alors ça, les pouvoirs de la fédération et que nous comme un gouvernement, mon collègue qui là, le Premier ministre, il est toujours là pour donner toutes les facilités nécessaires à la société culturelle pour être capable de faire de la prière dans les conditions qu'il est capable de faire. C'est bien simple, nous avons la page Mon Rendez-vous, l'eau en desktop ou soit nous download l'application là et comment on clique l'application là où vous trouvez un event qui s'appelle Ganesh Chaturthi 2021 et comment on clique l'eau là les finis guides ou qui ban step besoin suivre pour qu'ils soient capables de prendre rendez-vous. Il y a un outil très facile. Je vous dis tout le monde est dans le téléphone, tout le monde, les majoritairement ben, du monde, à l'aise à l'informatique et que si une personne n'est pas capable servir l'application pour faire un rendez-vous, il y a aussi une option que les autres personnes capables de faire un rendez-vous pour un du monde qui n'est pas capable de faire. Donc, c'est un outil très facile et que ça me pour permettre le bon déroulement de Ganesh Chaturthi dans ma norme, dans ma légalité qui est là dans le pays. Alors, du moment qu'il est fini de faire ce booking, les recevoir un email, c'est les filmer sur email, ou soit les gagner un QR code avec un serial number, les capables de faire un snapshot de ce téléphone, et les imprime sur Booking, ou soit les donner le sur téléphone, quand il arrive dans sa bande mandir là, et la bande volontaire qui nous apprend de la fédération, bande dirigeant de la fédération qui pour faciliter, et que je peux juste scanner le QR code, les pour finir confirmer que cette personne là, il prend ce rendez-vous dans sa lèvre là, dans sa jour là, et il est rentré, il fait sur la prière. L'organisation de quatre bonnes, Palma, l'organisateur, je ne réussis faire de façon que le pèlerinage, la procession vers Pierrefonds, le bassin, la rivière de Pierrefonds, évidemment pour un allié dans le cadre de toute la discipline, de respect du protocole qui nous est dit là. Pas qu'on a procession plus que 50 moun et différents groupes pour venir à différentes heures et pas pour venir attendre jusqu'à 5h30, 6h15 pour faire l'immersion. Ça pour Pierrefonds et pour partout, ce qu'ils nous proposaient. Mais à Pierrefonds, ce qui pourrait être intéressant aussi, ben frère, ben société, ben dirigeant, nous fin réussi faire de sorte qui nous pour la procession et l'immersion pour live ce jour-là. Et donc, tout ce qui pour arriver, toute la procession, toute la célébration pour online, pour live, en ce qui concerne
la cérémonie d'immersion à la rivière Bassin, à la rivière Pierrefonds, ce jour-là. J'ai envie de remercier Van Devo, Van Pèlerin qui organise ça de cette façon-là. Aujourd'hui, sa conférence de presse aussi lui donne l'occasion pour porter son message avec tout Van Devo. Il y en a aussi, bien sûr, la Fédération, le Centre culturel et la MSU. Notre rôle maintenant, c'est de propager l'information, de porter l'information à travers toutes les bandes cellules pour qu'une majorité de personnes, majorité de bandes dévots, servent-les, mettent-les en application. Il est bien facile pour servir avec ce vidéo, avec ce bande explication qui nous gagne, nous trouver. Il faut bien facile pour à la portée de tout le monde. Donc, servent-les, il y a là les points de succès et il y a là, bien sûr, vous pensez, le ministère avec tous ces bandes techniciens, notre pourquoi pas servir ça pour une prochaine grande fête nationale qui vous venir. Comme vous avez déjà connu, ça en est là, dans des châteaux pour être célébré avec beaucoup de restrictions. Et pour vous suivre les protocoles sanitaires recommandés par le gouvernement, par l'autorité. D'ailleurs, nous, au niveau de la Mauritius Maritime and Liberation, nous accentuons la sensibilisation pour que les dirigeants de mon temps, un responsable de famille qui peut célébrer dans les châteaux mettre en pratique ce protocole-là. Et un parmi, bien sûr, c'est 50 dévots à la fois dans un lieu de culte et également dans un site d'immersion.